Et salut tout le monde, c'est Red Kill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est actuellement sur le jeu Fruits Clinic. Alors, avez-vous déjà rêvé de devenir chirurgien spécialisé dans les fruits? Car moi, bien sûr que oui, il n'y a pas un jour que je passe sans penser à ce merveilleux métier qui est de sauver les fruits. Oui oui, ça existe, oui oui. Et c'est une chance inouïe d'avoir la possibilité de le faire aujourd'hui. Regardez-moi cette belle petite pomme sans défense, tout fraîchement tombée de l'arbre qui présente une certaine anomalie au niveau ventral. Donc oui, vous l'avez compris, dans ce jeu, on va donc soigner des fruits, mais aussi développer notre propre clinique pour mieux accueillir ces pauvres petits fruits en danger. Juste avant de commencer le jeu, je vous demande à tous de vous abonner à ma chaîne YouTube. Tous ceux qui le feront auront l'honneur de bouffer un des fruits que je soignerai. Bah oui, il faut bien qu'ils servent à quelque chose une fois soignés. Donc en fait, Red Kill, tu les soignes pour qu'ensuite ils soient bouffés par les humains. Bah oui, telle est leur destinée. Allez, c'est parti. Donc, niveau 1, bienvenue à toi, chère petite pomme. Alors, ok, on va te recoudre un petit peu l'abdomen. Alors, comment ça fonctionne? Je découvre le jeu avec vous. Ah oui, d'accord. C'est comme un zip et c'est bon, c'est réglé. Niveau 1, c'était très simple. Mais bien évidemment, au fur et à mesure du jeu, ça va sûrement se compliquer avec des brèches plus ou moins profondes. Hein. J'ai donc le premier outil qui ira dans ma clinique. Il s'agit d'une petite pince à épiler. Voilà, ça part directement ici pour la décoration. Je pensais que j'allais m'en servir, mais non. Et regardez, ma clinique, elle est là, elle est magnifique. Bon, y a pas grand chose, hein. Mais écoutez, on va améliorer ça petit à petit. On va y rajouter un petit peu de décor ici avec une horloge ananas. Et ensuite, bah j'ai plus de thunes, donc on va repartir au boulot. Il va falloir s'occuper de cette banane. Un asticot a réussi à pénétrer la peau de la banane. Alors, on va le virer avec la pince à épiler que je viens juste d'avoir, là. Hop, voilà. Oh putain, il était grand. Allez, mets-le sur le côté, on va l'analyser. Et voilà, cette banane est prête. Qui la veut? Dites-le moi dans les commentaires. Ok, je viens de débloquer l'aspirateur comme chez le dentiste. Alors je vais prendre ça. Bon, juste avant de partir en opération, je vais rajouter un petit peu de fourniture. Et voilà, une petite table basse. Je vais améliorer ma chaise également, la station. Ok, bon ça n'a pas changé grand chose, mais bon. Allez, on retourne en opération. On a là une petite fraise, oh là là. Il y a plein de petits asticots à l'intérieur, c'est dégueulasse. Mais t'inquiète, on va s'occuper de toi. Donc, on va utiliser cette fois-ci l'aspirateur et... Ok, c'est pas du tout le bruit de l'aspirateur, mais c'est bon. C'est réglé, maintenant il faut recoudre tout ça. Alors hop, on fait le petit zip comme ça et c'est fait. Voilà, qui veut cette fraise? Dites-le moi dans les commentaires. Oh, le scalpel, je veux. Voilà, un de plus dans ma collection, j'en ai 3 sur 9, hein. Allez hop, une petite trousse à outils à côté de mon bureau. Pourquoi je peux pas dépenser ma thune? Bon, c'est pas grave, je retourne en opération et on verra pour la thune plus tard, pour améliorer la clinique. Alors là, on a une magnifique courgette avec un petit asticot encore, hop, petit pince à épiler. Oh là là, il faut faire 4 trucs sur cette courgette. Alors attention, hop, l'asticot c'est fait. Maintenant il va falloir ouvrir parce qu'il y en a sûrement à l'intérieur. Désolé mon pote. Attends. Je suis pas sûr de vouloir voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oh. Ok, vite l'aspirateur, assistant, donne-moi l'aspirateur. Voilà, c'est bon. Allez, je referme ça et je veux plus te voir. Allez, attends, t'es dégueulasse. Et amélioration encore une fois. Allez, on va passer à la station au niveau 4. Et voilà, je viens de rajouter le tabouret. Ah, ça y est, je peux enfin dépenser ma thune. Alors, on va améliorer un petit peu les meubles ici en mettant une petite armoire, ok. Et la station, hein, c'est le plus important. Pour soigner les fruits dans de bonnes conditions, il nous faut une meilleure station. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Ok, la petite poche. Et bienvenue à toi, petite poire. On va s'occuper. What? Ok, j'arrête, désolé. Je vois que ça te fait peur, hein, le couteau. Ok, désolé, je te touche pas, T'as peur, hein? Allez, c'est parti! Oh, qu'est-ce que c'est? Shit, je vais te retirer ça. Vas-y, casse-toi de là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est juste le noyau, en fait. Je t'ai enlevé ton noyau. Allez, je te recoue tranquillement. Je te mets un petit pansement, nouvel item du jeu. Et c'est parti! Tu es bien refait. Tu diras à celui qui te mange d'enlever le pansement quand même, hein. J'ai débloqué la machine à rayon X qu'on va prendre directement. Allez hop, ça part là. Et on va partir directement en opération, voir si on peut s'en servir. Alors qu'est-ce qui est... What? Il faut lui percer un bouton. Une pomme qui a un bouton, what the fuck? Ok, alors attends, on va s'occuper de ça. On va le percer, on va percer ça tranquillement. Attendez, je me mets bien en face et... Oh, c'est dégueulasse. Non, n'explose pas. C'est dégueulasse. Bon, très bien, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Oh shit. Oh là là, il va falloir opérer au milieu là. Encore une fois, les pommes c'est toujours au ventre qu'ils ont des asticots. Alors, on va enlever ça, aspirateur, c'est parti. Voilà, on a tout pris. Je récolte également une petite pomme qui a poussé à ton intérieur. Parfait, on va recoudre tranquillement. Zzz,
Voilà, et c'est bon, tu es prête à manger. Ok, j'ai eu un petit spray qui me permettra d'enlever tous les petits pesticides qu'ils ont rajoutés. Allez, grosse session amélioration de la clinique. On améliore ça maintenant. Encore la station, c'est parti. On a une nouvelle station plus opérationnelle. Encore, c'est parti, on va le faire. La lumière comme chez le dentiste, trop stylé. Allez, encore un coup de station, on change la chaise. Elle change de couleur. Elle est un petit peu plus confortable pour les fruits hein, qui pèsent que dalle. Mais qui ont besoin d'une bonne chaise, hein. Allez, encore un coup de station, évidemment. On y rajoute une lumière ici. Il faut absolument que j'y voie hyper bien pour opérer mes patients. Alors, ok, on met des petits écrans. Ici, on rajoute un coup de clim. Et ici, attention, on change les poches avec un truc un petit peu plus sophistiqué, d'accord. Un plat, waouh, trop stylé, on la met au plafond comme ça elle nous gêne encore moins. Ici on rajoute un bras articulé magnifique et on a atteint le maximum de la station qui est vraiment stylée là, il faut avouer. Allez du coup on va s'occuper des meubles un petit peu, on va changer cette petite table basse. Ici on va y mettre eh bien une armoire un peu plus design. Sur, on va changer mon bureau carrément, parfait. Voilà, je suis passé chez Apple, c'est le cas de le dire. Allez on repart en opération avec ce qui semblerait être une aubergine qui a des petits champignons sur soi, alors on va enlever ça. Les bons champignons, qu'est-ce que c'est bon. Allez, maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que les champignons ont-ils bien pu faire? Oh, bah ça va, t'as un petit bébé. Franchement, c'est cool, tu veux pas le garder? Non, tu veux pas le garder? Bah attends, on va te l'enlever, je sais, t'as mal au ventre. Alors, on l'enlève, voilà. Et on recoue le tout. Parfait. Oh, trop stylé, j'ai le rasoir maintenant. Ça veut dire qu'on va avoir des poils à enlever avant d'opérer, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, vas-y, viens là. Qu'est-ce que c'est une noix de coco? On va t'enlever quelques petits trucs. Voilà, la zone a opéré. Attends, hop là, je dépasse un petit peu. C'est bon, maintenant, la zone est opérationnelle. On ouvre et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ça a pourri à l'intérieur. Attends, je t'enlève ces petits trucs là. Tac, j'en prends. Voilà, vas-y, sortez-moi de là. On va recoudre ça. Voilà, en deux temps. Et c'est bon! Et j'ai débloqué maintenant les petits cotons au cas où que ça saigne. Alors, ma clinique, on y retourne. On va améliorer maintenant le petit canapé. On peut accueillir 3 fruits maintenant à la fois. Ici, on minimait des petits. Petite chaise pour mes rendez-vous. Derrière, on change encore une fois l'armoire avec une forme de cactus très sympa. Mon bureau, on le change encore. Ah ouais, là, c'est fait tellement professionnel. J'ai 2 PC maintenant. C'est parfait. L'armoire qui change encore pour une armoire en arbre comme ça. Et on a terminé au niveau des meubles. On va continuer la décoration. Alors ça, je l'avais déjà. Ici, on change l'horloge pour l'horloge pamplemousse. Ou pastèque, plutôt. Le décor, on y rajoute un petit tapis sous la table basse. Et la fenêtre, ok, waouh, on change les rideaux, super. Je suis trop content. Moi, je veux, je sais pas, je veux autre chose, je veux une baie vitrée, là, avec un balcon. Ok, donc on a rajouté un petit néon sur mon bureau, un petit tapis sous mon bureau. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a changé, là? Oula, j'ai pas vu, qu'est-ce que ça a changé, ça? Je sais pas. On rajoute un petit peu de plantes juste derrière, comme ça. Ici, on change encore une fois l'horloge. Oh oui, ça fait un petit peu plus pro, ça. Il y a un petit oiseau qui va sortir faire... Alors, on va y passer un petit coup de coton, parce que je vois que t'as un petit peu de terre, mon pote, t'as dû tomber. Alors, attends, voilà, nickel. Alors, attends, je vais te remettre quelques grains ici, tac. Hop, je t'en remets là, ici. Non, il veut pas, on va le mettre là. Celui-ci, on va le mettre là. Et c'est bon, voilà, te voilà opérationnel, mon pote. Ah non, c'est pas là qu'il faut le mettre? C'est où? Ah, ok, c'était là. Nickel, wow, il te manque, t'as encore des trous mon pote, mais bon, t'es content. Qu'est-ce que c'est un concombre qu'on a récolté là? Alors attends, t'es un petit peu dégueulasse. Voilà mon coton. Oh putain, il faut ouvrir sur toute la longueur, ça va faire mal mon pote hein. Ah, j'ai fait ça vite hein. Ah mais c'est bon, c'est un petit taiko. Je te récolte tes petits grains comme ça, on va les mettre ici. Parfait, ils ont pas l'air très contents hein. On referme tout ça. Bon là tu sers plus à rien. Et c'est bon. Ça y est, on a débloqué le dernier outil qui est la seringue. Voilà, le dernier outil est opérationnel, il est là. Bon par contre les seringues, j'aurais peut-être dû les avoir depuis le début hein. Les pauvres, je les opérais sans anesthésie. Bon alors ce raisin apparemment a perdu de son jus hein. Alors attends, on va te greffer un petit peu de jus comme ça là. Voilà, toi aussi. Tu vas retrouver un petit peu de couleur mon pote. Voilà. Oh shit, t'as pourri mon pote. Alors attends, vite j'arrive. Oh putain, t'as bien pourri. Alors attends, hop, j'enlève tout ça, c'est bon. T'as plus de poils. Je te mets une seringue. Voilà, ça répare immédiatement le truc. On va ouvrir sur le côté droit. Et oh non, ton cœur est brisé. Attends, je vais le changer. J'enlève une partie, j'enlève l'autre. Ça va, tu vis encore? Tu commences à se faire que t'arrives à ouvrir les yeux encore et à vivre tranquillement. Bon, c'est bon, j'ai remis un cœur, tout va bien. Je referme tout ça et c'est terminé pour le 13e patient. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter alors? Ouais, mes certifications, regardez, je suis un professionnel dans le métier, j'en ai toujours rêvé.
Et ça y est, je suis officiellement certifié. C'est génial. Bon, écoutez les abonnés, mon rêve est réalisé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, c'était Redkill. Bye tout le monde.